100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. Round 7 de Super League, les Dragons qui restaient sur 5 succès se sont rendus au John Smith Stadium pour y affronter des Giants d'Huddersfield. Malheureusement, les Drax sont tombés vendredi soir après deux passages à l'orange contre Hull KR et contre Featherstone à Perpignan. Les joueurs de Steve McNamara ont pris un feu rouge. C'est la deuxième défaite de la saison pour les Catalans, mettant fin à une série de 5 victoires consécutives. Devant 6000 spectateurs, les Drax se sont inclinés 28-12. Pourtant, à la pause, rien n'était encore fait avec un 12-8 en faveur des locaux. Les Giants ont été solides, mais bien loin du curseur que Saint-Hélène proposera à Brutus samedi prochain en termes d'agressivité. Vendredi soir, les joueurs de Perpignan ont été loin du compte et ce ne sont pas les 8 forfaits qui doivent masquer la réalité des faits. Les joueurs de Steve McNamara ont été trop prévisibles, pas assez créatifs et ont donné l'impression de jouer avec la peur au ventre sans vouloir commettre de faute. Il faudra revenir sur terre samedi prochain en quart de finale de Cup contre Saint-Hélène, le meilleur ennemi des Dragons, sous peine de n'avoir plus que le championnat à disputer cette saison. C'était 100% Dragon, le podcast 100% dédié à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan, réalisé à partir des écrits de Bruno Ontenient pour L'Indépendant.